voiture et ne pas gêner la fermeture des portes sur voie 9. Attention au départ. Excellente soirée, 18h05. RQC, c'est vendredi et c'est relâche avec Simon. Et cap ce soir sur Fès, la capitale culturelle du Maroc, Fès. On peut prononcer Fès ou Fès, c'est pareil. Et avant toute chose, je dois absolument saluer et remercier chaleureusement ma tante Fadma, la sœur de papa, M.T. Fadma, pour sa grande générosité en m'accueillant chez elle du côté de Hey Boujloud à Fès. J'étais jeune alors. Ma tante Fadma, la maman de Sihdou, mon cousin avec lequel j'ai vécu de nombreuses aventures innocentes. Nous avions, si ma mémoire est bonne, entre 10 et 13 ans. Allez, un cadeau à Sihdou, Dimouzer Kandar, à 17 km de Fès, et Abdallah de Fès, Fès Jdid, Leilatou. Et tout à l'heure pour Kenza et Fed, Naman Lahlou. Allez, pour Sihdou, Abdel et Leilatou, le groupe Casablancais marocain Nasl Riwan qui nous chante Soucia, Soucia, les environs d'Agadir. Ensuite, vous écouterez tout à l'heure le chanteur Fassi Namel Hlou, spécialement à Kenza et Fahd. Allez, nous sommes ensemble jusqu'à 20h. Il y aura bien évidemment des reportages sur Fès. Fès, la Hassima, la Elmia. يام وريريان أقام أم قسم وديران الخيريان وريلا الغضر غضوظان وريلا غفوس مون كلو غيديكنا يا نفوس أيان سيان أزن كلو نمعوان يوهانا قمان شرك سماقيت الشرك يزرفان أكلات اللي فنتيدو نتان أفلول أغي الناس تمتي درقا أستيوي ما يمان نان نان إلا الغضر غيظو ضان يان وري ريان سيسفر سيسفر وما
ليش فيها تزرت ما تسكر المانو ييي يا وشنو كيصير ضحكي يا حبيبة
البهارات كعجيبة لو كان عطي مني كضحكية وشنو كيصير Naaman Lahlou, c'est un grand chanteur, compositeur marocain né en 1965 à Fès, au Maroc. Plusieurs de ses chansons sont désormais des classiques de la musique marocaine comme Bladi, Yazine, Boulden, Chefchaouen et Lemdina Kdima. Naaman Lahlou. Capitale culturelle du Maroc traditionnel, Fès est la troisième ville du pays. Sa mosquée, Karawine, siège de l'université, demeure l'un des centres intellectuels majeurs du Maghreb depuis l'époque médiévale, qui voyait les savants du monde entier affluer vers ses prestigieuses écoles de médecine, de mathématiques ou d'astronomie. Mais Fès est aussi une véritable capitale de l'artisanat, avec son industrie du cuir et la présence des plus anciennes tanneries du royaume. Celle de Chouara, établie depuis le Moyen-Âge dans la Médina, est aussi la plus grande. Galira Ali est maître artisan, fonction la plus élevée de la tannerie, comme son père l'était avant lui. Je vais au marché pour acheter les pots et rien qu'au toucher, je sais immédiatement ce que je vais faire avec, quel produit je vais pouvoir créer. Et puis on se rencontre, on négocie les prix, on peut marchander. Mon métier, je l'ai hérité de mes ancêtres. C'est un métier qu'on se transmet de père en fils. Dans un premier temps, j'achète moi-même les pots. Ensuite, ce sont les ouvriers qui s'appliqueront à retirer la laine et à disposer les pots dans les tanneries. Après trois jours de traitement, les pots sont nettoyés avant d'être mis à sécher durant quelques temps. Ensuite, on remet les pots dans les tanneries afin de les colorer avec des produits naturels. Tous les produits qu'on utilise ici sont 100% naturels. Nous utilisons un type de peau bien précis selon le produit de fabrication. Toutes les peaux ont une particularité. Par exemple, des produits comme les sacs ou même les chapeaux se feront avec de la peau de vache. Pour la confection de babouches ou de chaussures, la peau de chèvre sera plus appropriée. En fait, chaque produit possède sa peau.
Fès, c'est la capitale culturelle du Maroc, mais elle est également reconnue comme la ville du tannage. Nous continuons à travailler comme l'ont fait nos ancêtres, les premiers tanneurs de Fès, ce qui fait notre réputation dans tout le pays. Quand Moulay Idriss, le fondateur de Fès, est arrivé ici, il a commencé par construire des tanneries. Les Juifs ont été les premiers à se lancer dans le métier. Et après leur départ, nous avons repris et entretenu cet héritage. Aujourd'hui, nous travaillons toujours de la même manière qu'à l'époque. Le tannage, c'est une tradition très ancienne à Fès et qui continuera d'exister encore très longtemps, si Dieu le veut. L'ancienne des villes impériales marocaines représente un joyau vieux de 12 siècles, dont la Médina, véritable labyrinthe d'une cité hors du temps, est classée au patrimoine mondial de l'humanité. Cachée derrière des façades anonymes, on découvre des bijoux d'architecture traditionnelle, préservés, uniques, comme le palais El Mokri, l'un des plus impressionnants de Fès, resté clos pendant près d'un demi-siècle et qu'une prochaine rénovation va ressusciter. La résurrection de ce patrimoine exceptionnel, c'est le travail d'Abdelaziz El Moussaoui, architecte spécialisé dans la rénovation de Riyad dans le respect des méthodes traditionnelles. Pour ce genre de Riyad, je dirais pas que la loi est draconienne, mais il faut quand même signaler que les règles sont très strictes. Il y a énormément de vigilance de la part des autorités. Par exemple, il y a eu le ministère de la Culture, il y a l'agence de dédensification et de réhabilitation. C'est une agence qui veille au respect de l'urbanisme de l'ancienne ville, de la ville de Fès. Les matériaux à respecter dans ce genre de riad, ils sont connus. Il y a le zélij, qui dit zélij en arabe, ce sont les petits carreaux qui sont travaillés à la main. Il y a le bois en général, pour ne pas dire à 99%, c'est du cèdre. C'est un matériau qui peut durer des siècles, et puis c'est un matériau local. Il y a le fer forgé, il y a le plâtre. Le sucre, c'est le plâtre qu'on arrive à travailler, à sculpter. On a dû remplacer certaines pièces par d'autres pièces, mais similaires. C'est-à-dire qu'on a fait un travail de chirurgien. On a pris des photographies. Ces photographies ont servi de base pour recopier et refaire les mêmes motifs et essayer d'être fidèle à l'âme ancienne de cette maison. Il y a de plus en plus de jeunes qui essaient de se former par leurs propres moyens, d'essayer de trouver des travaux chez des maîtres. Et de l'autre côté, il y a aussi la tutelle de l'État qui essaye, avec le ministère de la Culture, avec beaucoup d'organismes, de faire intéresser les jeunes à cet artisanat-là. Et pour que, justement, ce genre de patrimoine et de joyaux ne soit pas laissé à l'oubli. La ville de Fès a quand même une particularité par rapport aux autres villes marocaines. C'est vrai que c'est la première ville au Maroc, elle a 12 siècles d'histoire, c'est la capitale spirituelle, religieuse, culturelle. Elle a la particularité d'adopter les gens, cette ville. Elle est très cosmopolite. Et vous sentez. Abdelwahab Tkali, qui est né le 1er janvier 1941 à Fès, dans une famille de 13 enfants, conservatrice, modeste et très pieuse, et par son patriarche qui tenait tout ce beau monde d'une poignée de fer. Abdelwahab Tkali, il est doté d'une personnalité profondément artistique. Il s'adonne très jeune à la musique, au théâtre, au dessin et à la peinture.
خصمه علاش نتخاصمه شبيني وبين كل الله علاش نتخاصمه علاش نتخاصمه واجي نتسلم يمكن تولوا واجي نتسلم يمكن تولوا ما يفيدنا وغير يزيدنا عذاب وخصومة حسن نسامحو وجي نصلحو حسن نسامحو وجي نصلحو الخصومة حشومة 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 الخصومة حشومة 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 الخصومة حشومة حشومة الخصومة حشومة 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 ألا حبيبة ألا عزيزة ألا حبيبة عندي معاك عند ربي كريف غرام كاين مشغول وانتي يا حبيبة قلبي خلي اللي بغاشي ما يقول يقول عندي معاك عند ربي كريف غرام كاين مشغول انتي يا حبيبة قلبي خلي اللي بغاش ما يقول يقول الحبيبة العزيزة الحبيبة شافوك الناس وعرفونا مخطوبين شافوني وشافوك الناس شافوني وشافوك الناس وعرفونا مخطوبين وصالحوا ما فيها بأس ظالمين ولا مظلومين وصالحوا ما فيها بأس ظالمين ولا مظلومين عندي معك عهد ربي كريف غرام كاين مشغول وانتي يا حبيبة قلبي خلي اللي بغاشي ما يقول عندي معك عهد ربي كريف غرام كاين مشغول وانتي يا حبيبة قلبي اللي بغاشي ما يقول الحبيبة العزيزة الحبيبة علي أجي نتسلمو عبد الوهاب الدكالي سي فوندردي اي سي ريلاش افيك سيمون شبيلي وبين كل الله علاش نتخاصمو علاش نتخاصمو شبيني وبين كل الله علاش نتخاصمو علاش نتخاصمو واجي نتسلمو الشانتور Ribab Fusion, c'est un hommage aux racines intarissables de la culture amazigh entre chants traditionnels du Sousse et musique du villageois, notamment Ahwesh. Dès ses débuts, ce groupe a su élaborer et imposer une identité musicale originale, souple et adaptée à sa raison d'être.
Les Ribab Fusion Sevel créateurs de musique est mise sur des compositions vivantes. Ils sont résolument modernes et ouverts sur les musiques du monde. C'est en 2010 qu'on a pu les voir et les entendre à Agadir lors du tremplin de Génération Mawazine et au Festival Timitar. Ils ont également été invités au Festival de Fès des musiques sacrées du monde ou encore à Marrakech, au Festival National des Arts Populaires. Allez, je vous emmène en voyage, faire un tour au Moyen-Atlas. La semaine prochaine, la région des Imaziren, grâce à la magie des ondes, Imouz Al-Kandar, Ifren, Michlifen, Azro, Al-Hajb, Ain Loh, Mrirt et Khnifra. Imaziren. Thank you.
نمشي عشينا ايمان وما نسموش بابا ما يتلي ذا معجان وششعي poursuit avec Mohamed Rouich Allah rahmo Nifra Thank you.
علي محمد أرويشة تحي دوست. La chanson préférée de Sonia. Yeah.
حوادر زي الجاية ونالي هذا يا دوني دادا هذا ولدت يا مني ولك نالك من النبي هذا يجب ذيونه ترجمة
parler à Hidous du Moyen Atlas. Vous avez tous entendu l'histoire entre Daoudi et Ahozar Abdelaziz. Je vous demande de boycotter toutes les chansons de Daoudi. Ne plus l'écouter, ça lui apprendra à tricher, à voler, ce qui ne lui appartient pas. Abdelaziz Ahozar fait l'effort d'inventer les paroles de la chanson Hubbuk Nti Jabni Blil, l'a composée, tout un immense travail derrière. Et Daoudi a repris la chanson sans autorisation, la jungle quoi. Et réaction d'Ahozar. Ktibha, il a coutif nan, renni ou goul diel flan. Mes sentiments vis-à-vis de ce chanteur Daoudi. Je suis très très en colère. كنتي في النهار ولا غني وقول يا بلان كل
شمر وتقول ديالي وانت خواني وجهك حمار قدام الجمهور وتقول ديالي وانت خواني وتقول ديالي وانت خواني وجهك حمار قدام الجمهور وتقول ديالي وانت خواني du délit commis par Daoudi, la version originale de Hubbuk Nti Jabni Bellil, chantée par
أحزار عبد العزيز. حبك انتي جابني بالليل جابني بالليل ما بيا ما عليا دي مظهري مع المشاكل البوليس وزاد ارميا ما نشوف ناس انا ما نبدهاني الكوب يطرو ونزيد الليطرو التاني كل لا راك انتيا مسكراني في المد انا لا راه شداني في خاطرك اخويا عبد الرحيم بن محمد منساوش عبد السلام لومي امو في خاطر خويا دردرا من ازوتا بن محمد في خاطر خويا الطياره ابراهيم حبك انتي جبني بالليل جبني بالليل ما بيا ما عليا حبك انتي جبني بالليل جبني بالليل ما بيا ما عليا دودي مظهري مع المشاكين البوليس والجاد ارميا ظهري مع المشاكين I'm gonna make it.
انا ما عرف جداني وقولي لراك انت يا مسكراني وفي المدرسة انا ما عرف جداني Allez, on va se quitter dans quelques instants avec mon coup de cœur, Statia Dalakalma. Rendez-vous la semaine prochaine sur les routes d'Imouzer Kandal, d'Ifran, de Michlifen, d'Azrou, Bamsmim, Al-Hajib, Ain Louh, Mlilt, Mlilt, comme dirait Zayan. Et Khenifra, Khenifra. Allez, ma salama. Bye bye. On the water, more than darkness in the depths. See him surface and never a shadow. On the wind, I feel his breath. Golden eye, I found his weakness. Golden eye, you do what I please. Golden eye, no time for sweetness, but a bitter.